Christelle, bonjour et bienvenue sur AGM Rugby TV. Tu fais partie des recrues de cette nouvelle saison. Comment te sens-tu à AGM? Très bien. J'étais très bien accueilli par le club. C'est quand même un club avec une grande histoire et ça me fait grand plaisir d'être partie de cette équipe maintenant. Là, on vient de finir le deuxième bloc de préparation, donc on a tous été formés dans les jambes pour retrouver le premier match. Justement, vous êtes à moins d'un mois de la reprise de ce championnat de Pro D2. Dans quel état d'esprit es-tu? Excité, on peut dire ça. Prêt. On a fait quelques semaines de vacances, comme j'ai dit, là on est en pleine préparation. Donc comme tous les joueurs de rugby, même les mecs comme moi un peu plus âgés, Ça commence à gratter, on a bien envie de retrouver le terrain. On a un groupe avec une bonne mélange entre les jeunes, les joueurs un peu plus expérimentés. Donc ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va produire sur le terrain. Et toi, plus personnellement, est-ce que la ville d'Agen te plaît? Oui, j'ai joué dans mon career pas mal de fois contre Agen, mais malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de découvrir la ville. Là, avec les nouveaux joueurs, on fait des petites promenades de temps en temps dans l'après-midi dans la ville. Et agréablement surpris, je trouve que c'est une ville avec beaucoup de charme. Et en plus, à fur et à mesure, comme moi et la famille vont le découvrir encore plus en plus, je pense que ça va être une très bonne expérience. Et enfin, est-ce que tu as un petit message à faire passer aux supporters à Genève? Déjà, je veux le remercier. Les petits commerces en ville, dès que j'ai besoin d'un peu d'aide, les gens sont toujours bien disponibles. Donc j'ai apprécié ça, moi et la famille est bien touché par ça. Et pour les supporters purs, on compte sur vous, comme toujours. Et cette année de plus, on a vraiment besoin de tout le monde, donc rendez-vous au stade. Merci Vaissel, à bientôt sur AGM Rugby TV.